Au nom d'Allah, le tout miséricordieux et le très miséricordieux. Assalamu alaikum wa rahmatullah wa barakatuh. Pour le rappel de ce jour, nous parlerons de la zakat al-fitr. La zakat al-fitr est une purification pour les jeûneurs et une nourriture pour les pauvres. D'après Abdallah ibn Abbas, qu'Allah les agrée lui et son père, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a imposé le monde de rupture du jeûne comme purification pour le jeûneur, des paroles futiles et grossières, et comme nourriture pour les pauvres. Celui qui la donne avant la prière, celle de l'Aïd Fitr, elle est alors une zakat acceptée. Et celui qui la donne après la prière, c'est une aumône parmi les aumônes. Rapportée par Abu Daoud et authentifiée par Cheikh Albani. Dans le même sens, un autre hadith, d'après la fille, Abdallah ibn Omar, qu'Allah les agrée lui et son père, donnait la zakat al-fitr à ceux qui l'acceptaient et elle leur était donnée un jour ou deux avant la rupture du jeûne, rapporté par Bukhari. Qu'Allah nous donne la bonne compréhension de ces hadiths et la mise en application. À demain, Inch'Allah, pour un autre appel.